Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse encore en ce soir. Nous sommes dans notre troisième session pour ouvrir notre jeûne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons bonjour au Saint-Esprit. Ce soir, nous partageons la vidéo. Nous disons shalom à la personne qui est connectée à côté de nous. Et nous nous attendons à recevoir encore un toucher de Dieu dans cette session. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui partagent. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont aimé la vidéo. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont déjà là. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors partagez, partagez, j'insiste. C'est très important. Voilà, je sais qu'on est fatigué, c'est la fin de la journée. Mais faisons un petit effort pour partager la vidéo, pour aimer la vidéo, pour être un sycomore. Gloire à Dieu. Alors moi aussi, je veux partager rapidement. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur Jésus pour ce 20e jour? Merci Seigneur Jésus pour ce 20e jour. Gloire à Dieu. Nous sommes au 20e jour déjà et c'est la fin du 20e jour. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je partage. Voilà. Merci Seigneur. Ok. Nous sommes donc dans la section... dans la section ou dans la session de la confession de la parole qui est très très important, alléluia, et nous voulons vraiment nous disposer, disposer nos cœurs, disposer nos esprits, disposer notre foi à confesser la parole de Dieu et le Seigneur va encore nous faire du bien, le Seigneur va te faire du bien au travers de la confession de la parole. Alors je vais prier le Seigneur et nous allons commencer maintenant. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te loue. Merci encore pour cette fin de journée. Merci pour ce jour 20, ô Dieu de gloire, notre 20e jour de jeûne et prière, alors que nous sommes à la fin de notre journée, à la fin où nous voulons ouvrir notre jeûne. Seigneur, je te prie encore de prendre le contrôle de cette session. Au travers de ta parole, Seigneur, que tu puisses délivrer encore. Au travers de ta parole, que tu puisses restaurer une vie. Au travers de ta parole, que tu puisses guérir encore. Au travers de ta parole, que tu puisses encore, Seigneur, recevoir toute la gloire, toute l'honneur et toute la magnificence. Seigneur, que cette session soit entre tes saintes mains. Seigneur, contrôlée, conduite, gouvernée par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le psaume 18 au verset 3. Psaume 18 au verset 3. Psaume 18 au verset 3, la Bible déclare ceci. « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Je m'écris, loué soit l'Éternel. Alors,
Je m'excuse. Un verre est tombé ici. Désolé. Voilà, je disais, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La version Martin dit, je crierai à l'Éternel, lequel on doit louer, et je serai délivré de mes ennemis. Alléluia. La version Darby dit, je crierai à l'Éternel qui est digne d'être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Bien-aimé, dans la louange, il y a la délivrance. Dans la louange, il y a la délivrance. Écris avec moi, dans la louange, il y a la délivrance. Dans la louange, quand tu loues Dieu, quand tu te cries, loué soit l'Éternel, quand tu confesses la parole de Dieu, il y a la délivrance dedans. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je suis totalement délivré quand j'élève ma voix vers Dieu et que je crie, loué soit l'Éternel. Et que je crie, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et que je crie, ô Éternel, sois béni. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. En d'autres termes, bien-aimé, la louange te donne la délivrance. La louange donne naissance à la délivrance. La louange donne naissance à la restauration. La louange donne naissance à la guérison. La louange. Aimer louer Dieu. Aimer célébrer Dieu. Aimer danser pour Dieu. Aimer chanter pour Dieu. Je vous assure, ce n'est pas une perte de temps. Il y a des gens qui pensent que c'est une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps. En fait, quand tu loues Dieu, tu es en train d'ouvrir un portail de délivrance pour toi-même. Quand tu es en train de louer Dieu, tu ouvres un portail de restauration pour ta vie. Louer Dieu, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Tu ne fais pas d'effort. Le fait que tu loues Dieu te ramène la délivrance. Le fait que tu élèves à Dieu la louange, le fait que tu élèves vers lui une offrande de louange, une offrande d'adoration, une offrande de célébration, tu es délivré de tes ennemis. Alléluia. Vous devez aimer la louange. Vous devez aimer l'adoration. Vous devez prendre même du temps, pendant que nous sommes en jeûne, prendre même une heure de louange. Vous louez Dieu, une heure d'adoration. Vous adorez Dieu. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose rapidement et ensuite nous allons prier. N'est-ce pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit? Écris avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est une vérité que tu connais. Je ne t'apprends rien du tout. Tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Alléluia. Nous allons faire un parallèle entre le temple en bâtiment, le temple qui est la salle, et le temple qui est ton corps. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Quand on dit c'est le temple de Dieu, quand on dit la sept salles, c'est le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Dans un temple, on chante pour Dieu. Alors, toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu dois aussi chanter pour Dieu. Dans un temple, on danse pour Dieu. Toi aussi qui es le temple du Saint-Esprit, ton corps aussi doit danser pour Dieu. Vous voyez ça? Dans un temple, on donne des offrandes. Même quand tu fais ta propre louange, tu peux mettre des offrandes de côté. Parce que tu es un temple. Dans le temple, on adore. Dans le temple, on loue. Dans le temple, on célèbre. Dans le temple, on donne des offrandes. Dans le temple, on écoute la parole. Tout ce qui se fait dans le temple physique, dans le temple bâtiment, dans le temple qui est la salle, dans le temple qui est l'église locale, tu dois le faire aussi dans le temple qui est ton corps. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois le faire aussi. Si je loue à l'église locale, je dois aussi avoir une vie de louange dans ce temple que je suis. Si je donne des offrandes à l'église locale, quand je prie, je peux aussi donner ma propre offrande. Bien aimé, créez vos offrandes à la maison. Tu mets ça de côté, tu donneras à l'église après. Mais c'était pendant tes moments de louange, pendant tes moments d'adoration, tu as donné l'offrande à Dieu. Dieu a noté que tu as donné l'offrande. Tu n'es pas dans un temple de l'église, un temple en bâtiment, mais tu as donné à Dieu. Et le jour où Dieu te permet d'être à l'église, tu prends ton offrande, tu donnes. Ce sont tes offrandes de célébration personnelle, voilà. Ce sont des offrandes de louange personnelle. Tout ce qui se fait dans le temple doit se faire aussi dans ta vie. Dans le temple, on écoute la parole de Dieu. Alors, toi qui es le temple du Saint-Esprit, tu dois apprendre à lire la parole de Dieu et à méditer la parole de Dieu dans ton temple qui est ton corps. Ton corps doit méditer la parole de Dieu. Tout ce qui se fait dans le temple doit se faire dans ce temple que tu es. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, tu mets le chiffre 1. Si tu as compris, tu mets le chiffre 1. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pose la question. Par contre, on peut créer sa propre dîme? Non, tu ne peux pas créer ta propre dîme parce que la dîme, on la donne à l'homme de Dieu. La dîme est donnée à l'homme de Dieu. La dîme est donnée à l'église. Donc,
Tu ne peux faire que des offrandes. La dîme, tu la donnes automatiquement à l'église. Mais quand tu fais tes propres offrandes à la maison, tu peux ou donner l'offrande à l'église, mais tu peux aussi donner cette offrande aux nécessiteux, à quelqu'un qui a besoin, à une personne qui a besoin, qui a des problèmes. Tu peux prendre cette offrande, tu le donnes. Parce que quand tu donnes aux nécessiteux, quand tu pratiques l'hospitalité, tu peux aussi recevoir des anges. Vous voyez? Il faut avoir une vie de dévotion, une vie de louange. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie parce que vous m'avez bien compris. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons confesser la parole de Dieu. Voilà, je ne veux pas aller sinon je vais aller dans un enseignement et ça va aller loin. Hein? Donc, je m'arrête là. Nous sommes dans la confession de la parole et notre verset de base, c'est « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus, merci Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors là où tu te trouves, tu vas dire merci au Seigneur pour cette journée. Tu vas dire, mon Père, je te remercie encore. Merci pour ce 20e jour de jeûne et prière. Merci de m'avoir soutenu. Merci de m'avoir secouru. Merci de m'avoir gardé. Merci de m'avoir donné la force depuis le matin jusqu'à maintenant. Seigneur, je te remercie. Reçois la gloire. Reçois la louange, reçois la magnificence. Seigneur, je te célèbre car c'est grâce à toi, Seigneur, c'est par ta grâce que je suis encore là. C'est par ta grâce que je tiens encore. Commence à lui dire merci dans le nom puissant de Jésus. Commence à lui dire merci. Bien-aimé, jeûner n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que tu as décidé de jeûner, mais c'est parce que le Seigneur t'en donne la force. Mais c'est parce que le Saint-Esprit te soutient. C'est parce que Dieu te soutient par sa main triomphante. Reconnais cela. Reconnais que c'est grâce à lui que tu as quitté le premier jour. Tu as quitté du premier jour jusqu'à ce 20e jour. Oh, c'est une grâce venant de Dieu. C'est une grâce venant de Dieu. C'est une grâce venant de Dieu. Reconnais que c'est sa grâce qui te permet d'être encore là dans le feu de la prière. C'est sa grâce qui te permet d'être encore là. C'est lui qui te maintient. En réalité, c'est lui qui touche ton cœur. Alléluia. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour la force, merci pour la capacité, merci pour la force de prier que tu nous as donnée. Merci pour la force, Seigneur, oh Dieu, d'être dans ta présence que tu nous as donnée. Merci, oh Dieu, pour la force de la louange. Merci pour la force de l'adoration. Merci, reçois la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu te trouves, nous allons encore nous repentir devant Dieu parce que nous voulons donner à Dieu, nous voulons élever vers Dieu un parfum de bonne odeur. Nous voulons que cette prière, cette confession de prière, cette confession de la parole soit, bien aimé, une offrande agréable devant Dieu. Et qu'alors que tu seras en train de confesser la parole, que le diable ne vienne pas faire objection, que l'ennemi ne vienne pas faire objection, car le diable est représenté comme le procureur qui nous accuse. Il est représenté comme, il est appelé l'accusateur des frères. Tu dois demander pardon, te purifier, te repentir, afin que ta prière puisse monter devant Dieu sans entrave, sans objection, sans blocage. Qu'il n'y ait rien qui se retourne contre toi. Qu'il n'y ait rien qui t'accuse alors que tu es en train de crier à Dieu. Commence à demander pardon dans le nom de Jésus. Commence à demander pardon. Bien-aimé, peut-être que tu as parlé avec des gens. Tu as pensé des choses. Tu as été agacé durant ta journée, depuis la dernière session jusqu'à maintenant. Tu as été agacé au travail. Tu as été agacé par un client. Peut-être que tu as rencontré un problème qui t'a donné de la colère. Bien-aimé, tu vas demander pardon. Réponds-toi devant Dieu. Commence à demander pardon. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Seigneur mon Dieu, nous venons encore devant ton trône, Seigneur, ce soir. Nous venons encore, Père, te demander pardon. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il est écrit dans ta parole, le cœur de l'homme est tortueux et il est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seigneur, je reconnais que mon cœur peut être tortueux. Je reconnais, Seigneur, je ne fais même pas confiance en mon cœur. C'est pour cela que je viens te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, toute pensée que j'ai pu avoir. Pardonne-moi, Seigneur, toute réaction que j'ai pu avoir. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, tout péché que j'ai pu commettre. Tout péché connu et inconnu. Tout péché, Seigneur, oh Dieu de gloire. Pardonne-moi. Pardonne-moi et accorde-moi encore ta grâce ce soir. Alors que je m'approche du trône de ta grâce. Alors que je m'approche du trône de ta grâce. Je te prie, Seigneur, de me pardonner. Pardonne mes péchés.
Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Accorde-moi ta grâce encore. Purifie-moi encore ce soir. Purifie encore mes enfants. Purifie encore ma maison. Purifie encore la tour de prière semeur. Et que Seigneur, ton sang puisse me laver de la tête à la plante de mes pieds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Et merci pour ta grâce encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore te consacrer au Saint-Esprit. Oh, tu vas dire au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, je reconnais vraiment que je ne peux rien faire sans toi. Très cher Saint-Esprit, je reconnais que sans toi, je suis perdue. Sans toi, je suis perdante. Sans toi, rien ne va aller dans ma vie. Alors, je te prie, Saint-Esprit, prends encore le contrôle de ma vie. Remplis-moi encore. Conduis-moi encore. Sois le conducteur de ma vie. Sois le dirigeant de ma vie, Saint-Esprit. Sois l'inspirateur de ma vie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Je viens encore m'humilier devant toi. Saint-Esprit, je viens encore te désirer. Désirer ta présence. Désirer ta présence dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Dans tout ce que je suis, Saint-Esprit, je te désire. Je te désire. Est-ce que quelqu'un peut désirer le Saint-Esprit? Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Désire encore le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je m'abandonne encore à toi. Saint-Esprit, je me livre encore totalement à toi. Saint-Esprit, je me livre totalement. Je me livre totalement. Esprit, âme et corps, je viens me livrer à toi. Je livre mon intelligence. Je livre ma capacité. Je livre ma réflexion. Je livre tout ce que je suis, Saint-Esprit. Oui, prends le contrôle. Prends le contrôle. Remplis-moi. Remplis tous les domaines de ma vie. Remplis, Saint-Esprit, et prends la place. Remplis, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je reconnais encore, oh, sans toi, je ne peux rien faire. Attache-moi à toi. Branche ma vie à ta prise. Branche ma vie à ta Wi-Fi. Branche ma vie à ton courant. Branche ma vie, Saint-Esprit. Oh, sois le cachet sur ma vie. Sois le sceau sur ma vie. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Je te désire ardemment. Je te désire ardemment. Mon cœur brûle de ta présence. Mon cœur brûle de ton désir. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Je te prie, Saint-Esprit, que tu mettes encore des collyres dans mes yeux, afin que je puisse voir, que tu enlèves les bouchons dans mes oreilles, afin que je puisse entendre, que tu enlèves le voile qui est sur mon cœur, afin que je puisse comprendre. Saint-Esprit de Dieu, oui, prends le contrôle, prends la place et que tu règnes totalement dans ma vie, dans ma destinée, dans ma maison, dans mes pensées, dans la vie de mes enfants, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons confesser la parole de Dieu. Nous voulons confesser la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons confesser. Nous voulons confesser cette parole comme un médicament. Manger cette parole comme une nourriture. Nous voulons la confesser parce que cette parole est dans notre bouche. Alléluia. Cette parole est dans notre bouche. Elle est à côté de nous. Elle est dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est dans ta bouche. La Bible déclare ceci dans Romains 10. Au verset 8, il est écrit, « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Bien-aimé, cette parole qui est dans ta bouche, cette parole qui est près de toi, tu dois l'utiliser comme une épée, comme une épée. Tu dois utiliser la parole de Dieu comme une épée. Alléluia. Oh, utilise la parole de Dieu comme une épée. Comme une épée qui va détruire les œuvres des ténèbres, qui va anéantir les œuvres de l'ennemi dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4 au verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle est même plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est vivante et efficace. Écris avec moi, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants.
Elle est pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Alors que tu vas confesser la parole de Dieu, cette parole va détruire ce qui est des ténèbres. Cette parole va anéantir les œuvres du diable. Cette parole va ramener la guérison dans ton corps. Cette parole va restaurer ta vie. Cette parole va détruire la maladie. Cette parole va aplanir le chemin de ta destinée. Cette parole va aplanir le chemin de ta vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous commençons par notre verset de base. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oh, confesse cette parole. Au nom puissant de Jésus, alors que je suis dans la présence de Dieu, je déclare que je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alors que je suis en train de louer Dieu, alors que je suis en train de célébrer Dieu, alors que je lève son nom, je déclare que je suis délivré de mes ennemis. Je suis délivré de la maladie. Je suis délivré de la douleur. Je suis délivré de la souffrance. Je suis délivré des oppressions. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que je me crie, loué soit l'Éternel. Alors que je me crie, célébré soit l'Éternel. Alors que je suis dans la présence de Dieu. Et que je suis en train de louer Dieu. Je déclare que je suis délivré de mes ennemis. Je suis délivré de la maladie. Je suis restauré. Mon âme est restaurée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de la louange, alors que je me tiens à la porte de l'adoration, alors que je suis assis sur la chaise de la louange, je déclare que je suis délivré de mes adversaires. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me crie loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris loué soit l'Éternel et la maladie me quitte maintenant au nom de Jésus. Je m'écris loué soit l'Éternel et l'Éternel me donne la victoire sur tous mes ennemis au nom puissant de Jésus. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis totalement restauré. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, déclare cela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, la parole de Dieu dit ceci, dans Éphésiens 6 au verset 15, dans Éphésiens 6 au verset 15, il est écrit, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je répète encore, Éphésiens chapitre 6 au verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, alors que je suis dans la présence de Dieu, je démolis et je détruis complètement. Je démolis et je détruis complètement toutes les œuvres de l'ennemi dans ma vie, au nom de Jésus. Alors que je suis dans la présence de Dieu, je démolis et je détruis complètement toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je démolis et je détruis complètement toutes les forteresses et les barrières que l'ennemi a érigées contre moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je détruis complètement toutes les forteresses. Bien aimé, les forteresses, ce sont les pensées que l'ennemi a mis dans ton esprit et que tu n'arrives pas à enlever. Les forteresses, ce sont les pensées que le diable a mis dans ton esprit et que tu n'arrives pas à te débarrasser. Je démolis et je détruis complètement, totalement, profondément, toutes les forteresses et toutes les barrières que l'ennemi a érigées contre moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alors que je suis dans la présence de Dieu, je démolis et je détruis complètement toutes les forteresses que l'ennemi a érigées contre ma vie au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors tu déclares, je les piétine maintenant avec les chaussures de l'évangile. Je les piétine maintenant avec les chaussures de l'évangile du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je piétine maintenant les œuvres des ténèbres dans ma vie avec les chaussures de l'évangile du Seigneur, avec les chaussures de l'évangile de Christ, avec les chaussures de l'évangile de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, déclare cela, alors que je suis dans la présence de Dieu, je me chausse maintenant du zèle de l'évangile, je me chausse maintenant du zèle de l'évangile, dans le nom puissant de Jésus, j'ai à mes pieds les chaussures que donne l'évangile de paix. Déclare cela
au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare dans Éphésiens 6 au verset 15, je répète encore, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors que tu es en train de piétiner les forteresses des ténèbres, dis je les piétine maintenant avec les chaussures de l'évangile de Christ, avec les chaussures de l'évangile de paix, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à piétiner cette pensée qui est en train de dire que tu vas être toujours malade. Commence à piétiner cette pensée qui est en train de dire que tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. Commence à piétiner cette pensée qui est en train de dire que rien de bon ne sortira de ta vie. Commence à piétiner cela avec les chaussures de l'évangile de paix, avec les chaussures que donne le zèle de l'évangile, avec les chaussures. Commence à piétiner cela au nom puissant de Jésus. Je les piétine maintenant avec les chaussures de l'évangile du Seigneur Jésus. Je les piétine maintenant avec les chaussures de l'évangile de paix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Au nom de Jésus, je taille toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie en pièces. Je leur piétine dessus au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, car j'ai à mes pieds les chaussures. Car j'ai à mes pieds les chaussures, alléluia, les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Car j'ai à mes pieds les chaussures, les chaussures, les chaussures, les chaussures, qui est le zèle de l'évangile, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai à mes pieds les chaussures de l'évangile de Christ. J'ai à mes pieds les chaussures de la parole de Dieu. J'ai à mes pieds les chaussures de la parole de Christ. Bien-aimé, commence à réaliser que tu as à tes pieds ces chaussures. La Bible dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile doit être tes chaussures. Le zèle de l'évangile doit être tes chaussures. Au nom de Jésus. Alors piétine les œuvres des ténèbres. Piétine les œuvres des ténèbres avec les ailes de l'évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec les chaussures du zèle de l'évangile. Au nom de Jésus. Piétine tout ce qui est mauvaise pensée avec les chaussures du zèle de l'évangile. Au nom de Jésus. Je les piétine maintenant avec les chaussures de l'évangile au nom de Jésus. Je les piétine maintenant avec les chaussures de la parole de Dieu. Je viens piétiner les mauvaises pensées avec les chaussures de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je viens piétiner les mauvaises pensées. Je viens piétiner les mauvaises paroles. Je viens piétiner tout ce qui est en envoûtement contre moi avec les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. J'ai pour chaussure à mes pieds les ailes que donne l'évangile de paix. J'ai pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Au nom puissant de Jésus. 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 J'ai pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bien-aimé, déclare que tu as pour chaussure à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, déclare avec moi, déclare avec moi, déclare avec moi, déclare avec moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, déclare avec moi, j'ai pour chaussure à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors je piétine maintenant toute œuvre des ténèbres qui a été érigée contre moi. Au nom puissant de Jésus, je les piétine avec les chaussures de l'évangile de paix. Je les piétine avec les chaussures de l'évangile de paix. Je piétine toute mauvaise pensée. Je piétine toute forteresse. Je piétine toute mauvaise parole qui vient du fin fond de l'enfer contre ma vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Au nom puissant de Jésus, piétine, 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 piétine avec les chaussures de l'évangile, piétine cette maladie maintenant, avec les chaussures de l'évangile, piétine ces mauvaises pensées, au nom de Jésus, avec, bien-aimé, avec les chaussures de l'évangile, commence à piétiner cette condamnation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car j'ai à mes pieds les chaussures que donne l'évangile de paix, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai à mes pieds le zèle de l'évangile. J'ai à mes pieds pour chaussure le zèle de l'évangile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis, je taille en pièces toutes les œuvres des ténèbres contre moi. Je les piétine maintenant, au nom puissant de Jésus. Je piétine maintenant, je piétine les échecs. Je piétine la stagnation, je piétine la maladie. Je piétine toutes ces choses avec les chaussures, alléluia, que donne le zèle de l'évangile. Au nom de Jésus, avec les chaussures que donne le zèle de l'évangile, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus,
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit au verset 16 de Éphésiens 6, verset 16, il est écrit, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Déclare avec moi, je prends maintenant le bouclier de la foi. Je prends maintenant le bouclier de la foi. Et j'éteins maintenant tous les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus, j'éteins maintenant tous les traits enflammés du malin. Je suis en train d'éteindre maintenant toutes les flèches enflammées, toutes les flèches en feu du malin qui ont été lancées contre moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai sur moi le bouclier de la foi. J'ai sur moi le bouclier de la foi. Et j'éteins maintenant toutes les flèches, tous les traits enflammés du malin. J'éteins maintenant tous les traits enflammés du malin. Au nom puissant de Jésus, j'éteins maintenant tous les traits enflammés du malin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toutes les flèches enflammées, toutes les flèches des ténèbres qui sont lancées contre moi, je les éteins maintenant avec le bouclier de la foi. Dans le nom de Jésus, je les éteins maintenant avec le bouclier de la foi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prends avec moi maintenant, je prends avec moi maintenant le bouclier de la foi. À gauche, à droite, devant, derrière, je suis encerclé, je suis protégé par le bouclier de la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de prendre le bouclier de la foi? Prends le bouclier de la foi. Je prends avec moi le bouclier de la foi et j'éteins maintenant tous les traits enflammés du malin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute âme qui a été forgée contre moi dans le monde des ténèbres. Toute âme qui a été forgée contre moi dans le monde des enfers. Toute âme qui a été forgée contre moi dans le séjour de mort est maintenant brisée, est maintenant arrêtée par le bouclier de la foi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare que tu prends maintenant le bouclier de la foi et tu arrêtes tous les traits enflammés du malin. Tu arrêtes la maladie. Le bouclier de la foi arrête maintenant la maladie. Les mauvaises paroles. Le bouclier de la foi arrête les échecs. Au nom de Jésus. Le bouclier de la foi arrête maintenant les flèches des ténèbres contre toi. Au nom puissant de Jésus. Le bouclier de la foi arrête maintenant les mauvaises pensées contre toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prends avec moi le bouclier de la foi. Je prends avec moi le bouclier de la foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prends avec moi le bouclier de la foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un prend le bouclier de la foi? Est-ce que quelqu'un prend le bouclier de la foi? Au nom de Jésus, prends le grand et le petit bouclier. Prends le grand et le petit bouclier. Commence à dire, je prends le bouclier de la foi et j'éteins, j'arrête, je stoppe tous les traits enflammés du malin maintenant au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, la Bible déclare. Dans le psaume 18, au verset 1, au verset 2, il est écrit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Jésus-Christ est ta force. Jésus-Christ est ta force. » Tu vas confesser la parole de Dieu. Tu vas dire, ma force est dans le Seigneur Jésus. Ma force est dans le Seigneur Jésus. Jésus est ma force. Jésus est ma force. Je reçois maintenant la force du Seigneur dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je reçois maintenant la force du Seigneur dans ma vie. Commence à déclarer, ma force est dans le Seigneur Jésus. Ma force est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ma force n'est pas dans un homme. Ma force n'est pas dans un groupement d'hommes. Ma force n'est pas dans l'argent. Ma force n'est pas dans les choses des ténèbres, mais ma force est en Jésus-Christ. 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 Je reçois la force du Seigneur. Je reçois la force du Seigneur. Je reçois la force du Seigneur. Je reçois la force du Seigneur dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps. Je reçois la force du Seigneur. Dans mes pensées, je reçois la force du Seigneur. Bien-aimé, prie. Je reçois la force du Seigneur. Je reçois la force du Seigneur. Je reçois la force du Seigneur dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Je reçois la force du Seigneur dans mes os, au nom de Jésus. Je reçois la force du Seigneur dans mes organes, dans le nom de Jésus. Je reçois la force du Seigneur dans ma maison. Bien-aimé, déclare que tu reçois la force du Seigneur, car il est ta force. Alléluia. Je reçois la force du Seigneur dans mon cœur, dans mes pensées. Je reçois la force du Seigneur dans mon mental, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois la force du Seigneur.
Je reçois la force du Seigneur. Je ne serai pas ébranlé. Au nom de Jésus, je ne serai pas ébranlé. Car Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est ma forteresse. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ est mon rocher. Je reçois la force du Seigneur. Ma maison reçoit la force du Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole. Dieu dit dans sa parole. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Bien-aimé, tu vas déclarer la parole de Dieu. Et tu vas dire avec moi, la parole de Dieu déclare que Dieu va me restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu va me restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu va me restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le Gelec, le Asile. Si tu connais le verset, tu peux le dire. Le Gaza. La parole de Dieu déclare que Dieu va me restaurer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et Dieu déclare lui-même dans sa parole qu'il va me restaurer, qu'il va me redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je déclare que l'Éternel me restaure au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel me restaure au nom de Jésus. Je déclare que ma vie reçoit la restauration dans le nom de Jésus. Je confesse que l'Éternel me restaure. L'Éternel restaure ma vie. L'Éternel restaure tous les domaines de ma vie dans le nom de Jésus. Il restaure ma vie spirituelle. Il restaure ma vie financière. Il restaure tout ce que je suis. Il restaure mon mental. Il restaure mon âme. Il restaure mes pensées. Il restaure ma destinée dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare que Dieu me restaurera. Dieu me redonnera les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gelec, le Asile et le Gaza. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel me restaure au nom de Jésus. L'Éternel me restaure. Je prends cette parole, je la mange, je l'avale. Et cette parole donne maintenant des résultats dans ma vie. Je prends cette parole, je l'avale maintenant. Je mange cette parole maintenant. Je la fais rentrer à l'intérieur de mes entrailles. Je la fais rentrer à l'intérieur de moi. Et je déclare que cette parole s'accomplit dans ma vie. L'Éternel me restaure. L'Éternel me rend les années que les sauterelles ont dévorées. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, Dieu dit dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils peuvent venir nombreux contre toi, te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh, tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, l'ennemi peut me faire la guerre, mais il ne me vaincra pas au nom de Jésus. L'ennemi peut me faire la guerre, mais il ne me vaincra pas. Il ne me vaincra pas au nom de Jésus. Même le monde entier peut décider de me faire la guerre. Le monde entier peut se retourner contre moi, mais il ne me vaincra pas. L'ennemi peut venir contre moi comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le monde des esprits peut prendre des résolutions contre moi, mais cela sera nul et sans effet, parce que l'Éternel est avec moi. Sa parole déclare, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je le déclare au nom de Jésus. Toute guerre qui va se lever contre moi ne va jamais me vaincre, au nom puissant de Jésus. Toute guerre qui va se lever contre ma maison ne va jamais me vaincre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, déclare cela, bien-aimé. Déclare cela, au nom de Jésus. Toute guerre qui va se lever, qui va se dresser contre moi, contre mon foyer, contre mon futur mariage, ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Toute guerre qui va se lever contre mes enfants, oh, ne les atteindra pas dans le nom de Jésus. Car mon Dieu a parlé une fois, il a parlé, ils te feront la guerre et ne te vaincront pas. Cette parole est en moi, cette parole marche avec moi, cette parole me colle à la peau, cette parole est dans ma vie, cette parole est réelle dans ma vie, cette parole est vie dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils peuvent se lever contre moi, je déclare qu'ils peuvent comploter contre moi, mais ils ne me vaincront pas, car la parole de l'Éternel est ma protection, la parole de l'Éternel est mon assurance, la parole de l'Éternel est ma garantie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 8 au verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Déclare au nom de Jésus. Tout projet qui sera formé contre moi sera anéanti, car l'Éternel est avec moi. Tout projet qui sera formé contre ma vie, contre ma maison, contre ma destinée,
contre mon foyer sera anéanti, car l'Éternel est avec moi. Tous les ordres qui seront donnés, oh, contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, seront sans effet, car Dieu est avec moi, car Dieu est avec nous, au nom de Jésus. Formez des projets contre la TPS et ils seront anéantis. Donnez des ordres contre la TPS et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous, au nom de Jésus. Bien-aimés, déclare cela, car Dieu est avec nous, Dieu est avec moi, Dieu est avec ma maison, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, toute parole qui sera déclarée contre moi sera sans effet, car l'Éternel est avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, je refuse d'être ébranlé, je refuse d'être triste, je refuse d'être abattu, car l'Éternel est avec moi. Bien-aimé, déclare cela. Je refuse d'être triste, je refuse d'être ébranlé, je refuse d'être à terre, car l'Éternel est avec moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'Éternel est avec moi, l'Éternel est avec ma vie, l'Éternel est avec ma maison, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. La Bible déclare, de la terre il retire le pauvre et du fumier il retire l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre et du fumier l'indigent. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 8. 1 Samuel 2 au verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec des grands. Commence à déclarer avec moi. Au nom puissant de Jésus, de la poussière il retire le pauvre et du fumier l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Déclare, c'est ainsi que l'Éternel va me traiter au nom de Jésus. C'est ainsi que l'Éternel va me traiter. C'est ainsi que l'Éternel va me relever. C'est ainsi que l'Éternel va me rétablir. C'est ainsi que l'Éternel va restaurer ma maison au nom de Jésus. Car sa parole déclare, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec des grands. Oh, je confesse que ma place est avec les grands. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai toute ma place avec les grands. J'ai toute ma place avec les gens élevés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai une chaise. J'ai un trône. J'ai une place que l'Éternel m'a réservée pour que je sois élevé. Pour que je sois élevé. Pour que je sois élevé. Car il est celui qui me retire de la poussière. Au nom de Jésus. Il est celui qui me retire de la poussière. Il est celui qui me relève du fumier. Au nom de Jésus, bien-aimé, déclare cela. Dans le nom de Jésus, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Si je suis dans la poussière, l'Éternel va me retirer. Si je suis dans la pauvreté, l'Éternel va me retirer de cette poussière. Si je suis dans la pauvreté, l'Éternel va me retirer de cette poussière. Si je suis dans le fumier, l'Éternel va me relever et va me faire asseoir avec les grands. Au nom de Jésus. Bien-aimé, alors que tu déclares cela, reçois au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la restauration qui te fait asseoir avec les grands. Qui te fait asseoir avec les grands. Au nom de Jésus, que la porte de la grandeur s'ouvre pour toi. Que l'élévation s'ouvre pour toi. Notre Dieu prend plaisir à t'élever. Notre Dieu prend plaisir à te bénir. Tu dois le croire. Notre Dieu prend plaisir à te voir grand, à te voir élevé, à te voir sur un poste élevé. Notre Dieu prend plaisir à ce que tu puisses rentrer dans ton élévation. Il t'élève au nom de Jésus. Reçois l'onction du Rehoboth qui t'élève au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction du Rehoboth qui te relève là où tu étais tombé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi que l'Éternel va te traiter. C'est ainsi que l'Éternel va te traiter. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare encore. Tout ce que c'est le Seigneur qui parle, tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je suis dans Marc chapitre 11 au verset 24. Marc 11 au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Tu vas dire avec moi, la Bible dit, le Seigneur dit que tout ce que je vais demander, tout ce que je vais désirer, tout ce que je vais demander en priant, si je crois que je l'ai reçu, alors je le verrai s'accomplir. Si je crois que je l'ai reçu, alors je le verrai s'accomplir. Alors je déclare maintenant, je confesse maintenant, je déclare que tout ce que j'ai demandé, l'Éternel me l'accorde. Je déclare que j'ai demandé des enfants, je reçois des enfants maintenant, au nom de Jésus. Je confesse maintenant, moi qui attends des enfants, les enfants sont déjà venus, au nom puissant de Jésus. Car le Seigneur a dit, tout ce que je vais demander en priant, si je crois que je l'ai reçu, je le verrai s'accomplir. Je crois en ce que j'ai demandé. Je crois que j'ai reçu ce que j'ai demandé. Je crois que ça va se manifester. Je crois que ma délivrance est déjà là. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer. Je crois maintenant, sur base de cette parole, je déclare que ma délivrance est déjà là. Je crois que la délivrance que j'ai demandée est déjà là, au nom de Jésus. Je crois que les enfants que j'ai demandés sont déjà là, au nom puissant de Jésus. Je crois que le mariage que j'ai demandé est déjà venu à moi, au nom de Jésus. Alors je le verrai s'accomplir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis libre de toute attaque de l'ennemi. Je déclare que je suis libre de toute attaque des ténèbres, car l'Éternel m'a délivré. Dans le nom de Jésus, j'ai demandé en priant. Je crois que je l'ai reçu et je déclare que je le vois s'accomplir. Au nom de Jésus, ce que j'ai demandé, je le vois s'accomplir. Je confesse et je déclare que cela s'accomplit dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je confesse et je déclare que cela s'accomplit dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je confesse et je déclare que cela s'accomplit dans ma maison, au nom de Jésus. Ce que j'ai demandé pour mon fils, je crois, Seigneur, que je l'ai reçu. Et je sais que je vais le voir s'accomplir, au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je crois que cela s'accomplit. Je crois que cela s'accomplit, dans le nom de Jésus. Et je crois que je rentre dans mon Rehoboth. Je crois que je suis installé. L'Éternel m'installe dans mon Rehoboth, au nom de Jésus. Je confesse que l'Éternel m'installe dans mon Rehoboth. Et je déclare Rehoboth. L'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous allons prospérer dans le pays. Déclare le Rehoboth, bien-aimé. Déclare. Je déclare maintenant Rehoboth. L'Éternel m'a maintenant mis au large. Et je vais prospérer dans le pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare le Rehoboth dans ma vie. Je confesse le Rehoboth dans ma maison. Je confesse le Rehoboth dans ma vie maintenant. Je déclare que l'Éternel m'a maintenant mis au large et je vais prospérer dans le pays. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous allons prospérer dans le pays. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'Éternel a mis ma famille au large et nous allons prospérer dans le pays. Dans le nom de Jésus. Sur cette terre où je me trouve, je déclare que je prospère à tous égards. Je déclare que l'Éternel m'a mis au large. Je déclare que je m'élargis. Je déclare que je m'élargis et je prospère à tous égards au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prospère spirituellement, je prospère matériellement, je prospère financièrement, je prospère mentalement, je prospère intellectuellement, je prospère physiquement, je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je confesse Rehoboth et je dis, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous allons prospérer dans le pays et nous prospérerons dans le pays. Nous prospérerons dans ce pays, nous prospérerons dans ces temps, nous prospérerons dans ce siècle, nous prospérerons dans ces années, nous prospérerons maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare et confesse Rehoboth, l'Éternel m'a maintenant mis au large et je vais prospérer, ma santé va prospérer, mes enfants vont prospérer, ma maison va prospérer, mon mariage va prospérer, ma vie spirituelle va prospérer, dans le nom de Jésus, car je suis dans le Rehoboth, je suis sous le parapluie du Rehoboth, je suis sous le parapluie du Rehoboth, je suis dans l'imperméable du Rehoboth, je suis dans la voiture du Rehoboth, au nom puissant de Jésus, je suis dans l'avion du Rehoboth, je suis sous les ailes d'aigle du Rehoboth, dans le nom puissant de Jésus, et je prospère dans le pays, je prospère, mes enfants prospèrent, au nom de Jésus, mes enfants prospèrent, je place mes enfants sur les ailes de l'aigle du Rehoboth, au nom de Jésus, et mes enfants prospèrent maintenant. Au nom de Jésus, mes enfants prospèrent. Je mets mes finances sur les ailes de l'aigle du Rehoboth. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui était sac percé, tout ce qui était portefeuille percé, tout ce qui était compte bancaire percé, est maintenant réparé au nom de Jésus, est maintenant restauré au nom de Jésus, est maintenant transformé au nom de Jésus. Tout ce qui était percé dans ma vie, dans mes finances, reçoit la restauration au nom de Jésus. Là où mon portefeuille était
trouées, là où mon compte en banque était troué, là où mes mains étaient trouées, là où mes poches étaient trouées, à cause, grâce au Rehoboth, maintenant, je reçois la restauration de mes poches, la restauration de mon compte en banque, la restauration de mes mains, la restauration de tout ce que je suis, dans le nom de Jésus. Je me place sur les ailes de l'aigle du Rehoboth, au nom de Jésus, qui me fait monter, qui me fait prospérer, qui me fait avancer, dans le nom de Jésus. Et je reçois la victoire. Je confesse que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je confesse que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je confesse que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Bien aimé, nous allons prier, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons dire merci au Seigneur, dis merci au Seigneur pour l'exaucement, car il t'a exaucé ce soir. Alléluia. Alors que tu as confessé la parole, tu as pris ce médicament, tu as pris ce traitement, tu as ruminé cette parole t'a donné ce dont tu avais besoin, cette parole t'a donné la vie, cette parole t'a restauré, cette parole t'a donné tout ce dont tu avais besoin dans le nom de Jésus. Commence à lui dire merci. Merci Seigneur pour l'exaucement, merci pour ta parole qui m'a encore donné la force, qui m'a fortifié, qui m'a, Seigneur, guéri, qui m'a délivré, qui m'a fait du bien. Nous te disons merci, reçois la gloire. Reçois la louange, ô Dieu. Reçois la magnificence, notre Père et notre Dieu. Père, je prie de bénir tes enfants. Sanctifie, purifie la nourriture qui va être prise maintenant, Seigneur, ô Dieu. Fortifie, Seigneur, ô Dieu, ceux qui jeûnent et ceux qui ne peuvent pas jeûner à cause de la santé. Fortifie les Seigneurs dans ces temps de prière, que nous puissions être là jusqu'au 70e jour. Béni soit ton nom. Garde-nous fidèles à toi et que nous puissions être là tout à l'heure à 22h30 pour l'école de la spiritualité dans le nom de Jésus. Garde-nous fidèles à toi. Saint-Esprit, prends toujours le contrôle. Prends toujours le contrôle et règne en maître et en seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Alors, bon appétit à vous qui mangez maintenant ou qui avez déjà mangé tout à l'heure. Bon appétit à vous. Et on se retrouve à 22h30 pour l'école de la spiritualité. Et voilà, je vous parlais d'un bon sujet. Je suis en train d'hésiter encore, mais on aura un bon sujet qui va nous faire du bien par la grâce de Dieu. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Aimez la vidéo, ne partez pas sans aimer la vidéo. Partagez la vidéo, soyez un sycomore. Aimez, partagez, voilà, soyez un pont, soyez. Pour le Seigneur, soyez. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été béni, mettez tout simplement béni. Et le Seigneur vous bénira aussi. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, ne partez pas si vite, cliquez sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Et aimez aussi la vidéo. Je vous rappelle, le 10 décembre, nous sommes à Noisy-le-Sec. Alors, soyez là, soyons là. Réservons cette date pour la gloire de Dieu. Nous allons clôturer dans la gloire et dans la puissance, dans la célébration et dans tout ce que le Saint-Esprit a réservé pour nous. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux qui ont donné leurs offrandes. Soyez bénis vraiment et que votre offrande puisse parler devant Dieu. Votre offrande, que cela parle devant Dieu dans le nom de Jésus. Alors, je vous dis à tout à l'heure, 22h30. Soyez bénis. Ciao, ciao. Toi, si toi tu ne rentres pas dans le Rehoboth, ce sont tes enfants qui vont rentrer dans le Rehoboth si tu fais une alliance avec Dieu. Oui, il y en a qui nous appellent, prophétesse, j'avais fait un songe, on voulait m'attaquer et tu es venu me sauver. Ou encore le pasteur est venu. Le temps a changé, mais laissez-moi te dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, sa parole ne change pas, sa parole ne faillit jamais. Parce que l'homme qui est parti avec la femme a laissé sa semence. Et quand ils prennent ta femme, ils prennent ta vigueur au travers de ta femme, vous voyez ça? Donc le diable va passer par là pour t'enlever ta vigueur. Et il y avait même un moment... Si on veut faire tomber un homme politique, on ne va pas aller chez lui, on va seulement chez la femme.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.